fait, c'est rendez-vous entre la KO, est-ce qu'on a présenté pour tout le monde qui a regardé là? Ok, bonsoir tout le monde qui a regardé là. Moi, c'est Jean-Steven Alneus et moi, c'est CEO Edge Gamer. Et moi, là, avec nous, avec ce rendez-vous, so, nous allons passer un bon petit moment ensemble. Parlez-nous de Edge Gamer. Bon, Edge Gamer, Jean que vous entendez là, c'est deux mots que moi mis ensemble, qui c'est Edge et Baby Gamer. Et moi, mettez deux mots ça ensemble, juste pour me faire représentation tout gamer haïtien. Et non, ça les vini et juste comme ça. Donc, comme moi, avec le bon et bien, puis le monde encourage avec l'idée, on est toujours avancé avec elle. En réalité, quel objectif est Edge Gamer même? Objectif Edge Gamer, c'est représenter et tout gamer yo, internationalement. Donc, nous sommes capables de faire activité en Haïti et puis nous représenter Haïti dans l'événement qu'a fait à l'étranger. Donc, l'année prochaine, la très prochainement, nous allons dans l'Expo E3 qu'a fait Los Angeles. Nous allons aller Santo Domingo dans le championnat qu'a fait. Et objectif là, c'est représenter le monde gaming nan, en Haïti, montrer à l'étranger que ce n'est pas seulement et jouer que nous jugeons là pour plaisir, nous montrer tout que nous sommes capables d'évoluer avec, participer dans l'événement que nous avons fait. Précédemment, nous avons fait quelques activités, jeux vidéo, championnats, tout ça. N'a pas pensé pour gamer ici. Moi, après que nous avons un championnat que nous faisons et comment nous procéder à ça, c'est nous qui avons supporté nous, puis nous faisons. Oui, avec l'idée championnat et nous avons sponsor qui est avec nous, comme nous avons Adidas et puis nous avons Thompson qui supporte nous en pile. Nous avons Swag Store, Lotiki, nous avons Tirandez-vous tout qui est avec nous. Nous avons un pile d'autres sponsors qui est avec nous, qui marche avec nous. Est-ce que on a prêté dans le cadre de faire championnat? Est-ce que nous avons un website et puis nous avons conseillé monde? Est-ce que nous avons un boutique en ligne? Donc, qui ça est bien après? Après, nous avons un pile de l'autre idée. Nous avons une chaîne YouTube qui travaille sur lui. Nous allons mettre en vigueur toutes les vidéos, parler de ce qui est passé, ce qui est venu, faire commentaires. So, après, un website qui est disponible l'année prochaine, nous travaillons sur ça. Pour un gamer haïtien qui est inscrit pour participer avec ce qui est fait sur ce site-là, on peut acheter en ligne. Ou si vous avez un gamer, vous capable de demander, il a géré ça pour vous. So, et statistiques tout joueur qui va participer dans l'événement que nous avons fait, qui c'est championnat. Et pour l'autre gamer, nous avons pensé que vous n'avez pas aimé FIFA, vous n'avez pas aimé FIFA, et vous n'avez pas aimé Mortal Kombat, Street Fighter et stuff. Nous avons pensé pour nous tous, ce n'est pas seulement FIFA qui gagne, nous avons pile de paquets de nous, c'est type à avancer. Est-ce que vous avez parlé plus de prochains championnats qui va gagner? Qui est-ce qui va gagner de différents là-dedans? Et que les gens qui vont inscrire ou les gens qui vont garder ou qui vont bénéficier? Ok. L'année prochaine, n'a pensé pour nous faire extrêmement parfait par rapport à l'édition précédente. L'année prochaine, n'a gagné comme innovation et live streaming. Nous connaissons que quand pile monde qui pas vraiment habitué avec live streaming dans vidéo game, soit c'est plus online ou fait Electronic Arts fait ça en pile. Et n'a gagné EGM Split là, j'ai dit qu'on fait dans l'édition précédente, n'a gagné crossover. Côté que un gamer devant la télévision parle là je contrôle le gamer et puis un monde qui pas faire déplacement là pour regarder le live sur Twitch, nous étant à travailler sur ça là pour mettre le sous pied. Et année prochaine a bien une surprise pour monde qui venir, so monde qui a venir toujours et le plus souvent ça arrive que pas prendre feeling dans ça qu'a fait là, on doit pas dire bon qu'on va pas faire tel match, gagne animation DJ, a bien une petite activité qu'on a fait pour monde qui là enjoy avec nous, a bien petit prime petite question sur bail qu'a fait pour monde interagir dans activité là. Et ça que nous gagne comme surprise tout bien qu'on va faire par avec nous et champion et troisième édition avec deuxième là, la balle représente Edge Gamer avec Haïti dans le championnat qu'a fait Santo Domingo avec un sponsor que nous avons à l'étranger qui fait bien avec nous là, qui c'est Edjun VR qui travaille dans vidéo game dans tout, mais c'est plus dans virtual game yo, lié. Donc la balle avec nous organiser un event Santo Domingo et après une surprise, so, c'est que un monde qui est inscrit dans le championnat il va regretter ça. Pour des débats qui intéressent moi et je pense qui pas intéresser tout le monde qui a regardé vidéo ça. Vraiment, on parle de type de jouet
est-ce que c'est seulement PlayStation, Xbox, ce que ça nous concentre nous. Et championnat, ce que ça a fait tout. Ok. Championnat, il a fait sous PlayStation, parce que nous, avec PlayStation, là, il est plus en vogue en Haïti. Il y a un petit jeune qui a PlayStation, là, qui a eu Ligue, il y a Xbox. Et il y a Xbox tout. Mais nous, pas vraiment mettre Xbox à primordial. C'est ça qui nous fait un crossover, côté que nous permet un game Xbox, ni vient avec contrôleur, ni vient jouer FIFA sur PlayStation. Là, tout. Et pour l'instant, pour vraiment avoir une interaction avec Nintendo Switch, là, c'est ça qui fait que nous pas qu'à fourrer net Nintendo Switch là dedans, mais c'est pas oublier que nous oublions et nous pas focaliser nous sur un type de jouet précisément. So, c'est ça qui fait nous interagir avec toute game et Xbox et PlayStation et puis Nintendo Switch. Bien PC gaming, nous connais bien virtual gaming donc qui fait prendre pied là que nous connais très prochainement avec et un petit interview que nous va faire avec Edjun Via Santo Domingo. Et puis nous gagnons et John Villotto qui a entré en Haïti vient faire event là avec nous en fonction éducation donc le monde qui dans les VR ou en tant VR. OK, VR c'est virtual reality. Nous connais que gain lunettes virtuelles que mon ami met dans yeux pour les web là puis près puis réel. Donc gain un peu monde qui pas connaît que son belle initiative que monde prend les virtual gaming dans côté qu'on a un monde là 360 degrés ou sentir qu'on dans jeu la vie là ou allonger mon move tout bagaille ou sentir vibration ou sentir percussion qui gain dans bail. So virtual gaming là côté que par exemple gain monde qui utilise et course ça qu'arrive qu'on va jouer course ou qu'on dans machine là vrai ou et move à machine là levier tout bagaille. Virtual là c'est une façon pour faut interagir plus avec ça qu'on a fait. Contrairement à FIFA qui a un petit jeu difficile, le beau ramet en place Messi ou Cristiano Ronaldo et stuff, mais je pense plus pour mission yo, je vais tirer yo et puis course machine. Faire une invitation à tout le monde qui peut-être qui a venir jouer ou bien peut-être qui a venir inscrire et on dit comme dernier mot pour interview ça connaît. OK, ça que m'a dit tout le monde et sous son gamer, pas on dit que son gamer. Parce que le plus souvent, je pense que les games sont des choses qui font perdre du temps. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Moi-même, je suis un teaser game, j'aime tout le monde, je suis un teaser game, tout qui est un partenaire nous. Et nous teaser, jouer permet que vous réfléchissez plus bien, il permet que vous développez une série de connaissances, il permet que vous interagissez plus bien tout avec le monde. Il y a des gens qui pensent que les games sont des négatifs. Et pourtant, si game de négatif à ce point, je pense que Sony, Microsoft, Nintendo pas arriver là côté là. So moi-même moi pas de conseils nous et pour nous pas jouer jouet. Comme ça on pas dit nous pas jouer tout le temps non, ça arrive que nous l'autre passe-temps mais jouet là il là tout. So moi même invité tout gamer pour like page nous sur Instagram et follow sur et Facebook. Et puis très prochainement nous va start avec chaîne YouTube. Nous avons invité tout le monde tout pour commencer subscribe. Et pas hésiter tout by Adidas avec Thompson avec tes rendez-vous et tes followers sur Instagram avec Twitter et puis Facebook ça nous pas regret. OK, merci en ville. OK, merci vous même tous tes rendez-vous qui étaient dans calave.